à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo partenariat unboxing avec le site de chez GBFKE. La commande, enfin entre guillemets, a été validée le 12 mai et j'ai reçu le colis aujourd'hui, le 31, soit 17 jours après. C'est un peu plus long que la première fois. À l'intérieur, on a normalement 5 articles. Et il n'y a aucune toile normale. J'ai essayé de faire une sélection un peu différente de d'habitude. On a quand même des toiles, mais c'est des toiles en diamants spéciaux. Donc, 3 articles. Voilà. On va commencer par le petit. Et je vais vous montrer tout ça. Pour commencer, j'ai des autocollants. Donc, ils sont là et je peux vous montrer la petite miniature. Donc pour ceux qui reconnaissent, c'est Animal Crossing. En plus du Diamond Painting, je suis assez fan de ce jeu. Là où je suis super contente, c'est qu'ils sont très grands et qu'ils ne sont pas pliés. Enfin, c'est plié, mais vous voyez, ça va pas être gênant en fait. Donc, on a Méli Mélo avec Tom Nook, le piège, le sac de clochettes, Marie, on a Ticket, le fossile, le cadeau, le meuble, Kéké, Tom Nook et Thibaut. Donc ça fait quand même pas mal de choses à diamanter. Je suis plutôt contente. Et là, ça nous annonce des petits diamants spéciaux qui peuvent être sympas en plus. On a une petite étoile là. On va regarder ça. Donc, je ne vous montre pas tous les diamants. Je ne vous ai pas montré déjà. Le petit kit, donc comme d'hab, hein, je n'ai pas voulu le redéballer à chaque fois. Et pour les diamants, on fait comme d'habitude. Je vous montre ceux qui sont différents de d'habitude. Alors, on a les couleurs comme ceci. Donc, on a un peu de tout, hein, pour pouvoir compléter. Et ce qui nous intéresse, c'est donc ça. Alors là, on en a deux. On a deux toutes petites étoiles. Pourquoi le focus ne se fait pas? Donc on a deux petites étoiles. Si le focus se fait pas, je vous ferai des petites photos. Ouais, je vous ferai des photos. Apparemment, il y a le petit souci. Alors, les petites étoiles, je crois qu'il nous en faut qu'une. On en a deux. On a ça, une grosse, grosse goutte rouge. Hein, ça ne veut pas faire de focus du tout. On a une très grosse étoile rouge. Oula! Alors, attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Est-ce que là... Eh ben voilà! La grosse étoile rouge. Et on a aussi les petits dômes rouges comme ça. Donc les premières que vous n'aviez pas vues, c'était celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est les petits autocollants d'Animal Crossing. Donc ça fait quand même 12 autocollants qui sont quand même assez grands. Quand vous voyez par rapport à la barquette, c'est pas petit. Les 12 autocollants d'Animal Crossing, ils étaient à 2,99 €. C'est rien du tout. Je suis enchantée. Ensuite, je vais vous montrer un autre support qu'on n'a jamais vu sur la chaîne. Alors après, c'est beaucoup, on l'a beaucoup vu ailleurs, hein, mais pas ce modèle-là. C'est un sac de course et c'est une licorne. Ah, la poignée ne veut pas tenir. Hop. Alors, je suis super ravie parce que je n'avais pas vu. Vous voyez le petit fond? C'est trop chou. La licorne, elle est très jolie. C'est un sac qui a un soufflé. C'est assez plastique. Et là où on doit diamanter, ça fait un espèce de tissu lin. La colle, elle est très bien posée puisque là, ça ne colle pas du tout. Et par contre, au niveau du symbole, ça colle bien. On a ça derrière. Donc ça, c'est pas hyper joli. Et comme il y a un soufflet, le sac est quand même assez grand.
Au niveau des diamants, on va avoir plein de choses. Alors, petite chose que je remarque, on a des sachets dans ce toolkit là. Et enfin, au niveau des diamants. Donc, on fait comme pour Animal Crossing. Si j'arrive à l'ouvrir, je vous montre ce qui diffère. Alors, c'est pas que des strass, contrairement à ce que je croyais. On a du blanc normal, du bleu vert, du jaune, du rouge, du jaune pâle, du tournesol, du violet. Et là, on a ceux-là qui sont hyper beaux. Donc ça, c'est ce qui doit aller par ici. Là, là il en faut quelques-uns. On a... Pareil. Alors là, ce qui est bizarre, c'est qu'on a des gros violets, mais on a aussi des petits. Je pense que ça a dû... Ah oui, d'accord. Donc en fait, le violet est mal fermé, ça a glissé aussi dans le bleu. Bon, c'est pas très grave. On a des gros violets, les gros rouges. Alors, par contre, les gros violets, on n'a pas beaucoup par rapport aux gros rouges. On a les gros jaunes, les gros verts, des petits nacrés en jaune. On a celui-là aussi, qui est super joli. Ah, par contre, pas droit à l'erreur. On en a un, il en faut un ici sur le visage de la licorne. Donc, ce petit sac. Alors ça, je vais le faire très rapidement. Je vais vous montrer très rapidement ce que ça donne. Mais j'aimais beaucoup, je la trouvais super colorée. Enfin, je trouvais ça super sympa. Il y a quand même pas mal à diamanter, mine de rien. Et les symboles sont hyper clairs. Vous voyez ? Donc, ça va aller rapide, ça va être rapide. Et donc, ce petit sac, il coûtait 5,99 €. Hop, je range ça. Je vous montre ensuite une première toile. Donc, c'est comme je vous l'ai dit, j'ai fait deux toiles en diamants spéciaux. Je me suis vraiment axée sur autre chose. Je voulais vraiment voir quelque chose de différent cette fois-ci. Alors, différent, mais pas totalement comme vous allez le voir. J'avais envie d'essayer une Gorgeous, mais en diamants spéciaux. Donc, celle-ci fait 30 par 40. On a une petite légende ici. Donc, 11 diamants. On a la légende qui est aussi reportée ici. Ça colle très bien. La colle est bien déposée. La toile est assez épaisse. Elle devrait donner ceci une fois diamantée. Et si j'ai choisi celle-ci, c'est parce qu'il y avait les petits cœurs, les petites étoiles, les petites gouttes. Je m'étais dit que ça allait apporter plein de sortes de diamants. On a le toolkit avec deux pains de colle. Et les... Ouh, on a des cœurs. Ça va être très sympa. Alors, on va voir ça tout de suite. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux ceux-là. Donc, on a du strass. Là, j'ai des petites étoiles jaunes. Ah, il y en a deux sachets. Je ne sais pas si c'est les mêmes. Non, ce n'est pas les mêmes. Alors, ouais, elles ne sont pas complètement pareilles. Regardez. Ah, c'est subtil. Hein. On a des petites dômes jaunes. Des croquettes roses. Strass bleu, strass un peu marron, strass jaune, du vert, du bleu ciel. Et regardez-moi ceux-là. Mais ceux-là, ils sont juste fous. Bleu avec des paillettes, ils sont juste canons. C'est ceux qui vont en bas, là, les 6. Alors, il en faut 6 et j'en ai 3, 6, j'en ai 9. On a un tiers de diamant supplémentaire. Ils sont canons. Cette petite toile, elle est au prix de 3,49 €. C'est vraiment pas cher du tout non plus. Hein. Les BFKE là-dessus, c'est vraiment des petits prix. C'est vraiment top. La deuxième toile en diamants spéciaux que j'ai à vous présenter. Alors, elle est aussi en 30 par 40 normalement, si je ne me trompe pas. Mais cette fois, c'est un format paysage. Alors, elle se présente voilà, hop, dans l'autre sens, ce sera mieux. Et c'est une petite licorne.
Donc là aussi, on a deux légendes. Cette fois-ci, j'ai 12 diamants. Donc toujours le toolkit de base. Et là, c'est pareil, on a le fond. Donc on a quand même pas mal à diamanter. Et la colle est bien respectée. Ça colle bien, mais ce n'est pas partout. Et cette fois-ci, au niveau des diamants. Hop, je vous montre ça. Oula, je vous ai fait tourner. Alors, on a de l'argenté, du rose. Donc là, c'est tout ce qui est strass courant hein, qu'on trouve rapidement. Oula, ça c'est très joli. Des petites dômes fastés. Un peu caméléon. Les mêmes, alors on a des caméléons, enfin caméléon, oui, un peu aurore boréale, un peu, je sais pas comment trop dire, crème, mais du coup en vert, on a la même chose, un peu plus rose. On a des yeux de chat blanc, des yeux de chat vert, oh, qu'est-ce que c'est beau ça, des yeux de chat rose et des gouttes roses. Les diamants, ils sont calmes. Voilà pourquoi j'ai pris que des diamants spéciaux cette fois. Alors, cette toile de licorne, comme je disais, elle est en 30 par 40 et celle-ci était au prix de 4,99 €. Et le dernier article de cette commande, c'est encore un support totalement différent. Je ne sais plus si je vous ai montré. Voilà, ça ressemble à ça une fois diamanté. Et je vous présente le dernier article. Ça se présente dans une boîte un peu dure. Et il s'agit d'une lampe. Alors, je l'ai découvert complètement avec vous parce que j'ai pas pu passer ce genre de modèle. J'ai vu passer d'autres lampes à diamanter, mais pas celle-ci. Alors, voyons qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Donc, ça se présente comme ça. On a un boîtier, on a un toolkit. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose. Ah! Je crois qu'il me manque un élément. Alors, je vais déballer ça, mais je crois que j'ai un problème avec ma lampe. On va voir. J'ai bien l'impression qu'il va manquer quelque chose. Parce que ici, on est censé insérer une plaque. Une plaque licorne que je n'ai pas. Donc voilà, ça se présentait comme ça, avec un petit socle où on mettait des piles. J'ai le toolkit, j'ai les diamants, mais il me manque la licorne. Alors, je ne suis pas folle, hein. Ma boîte est bien vide. Donc, alors là, par contre, je vous avoue que c'est la grosse, grosse déception. Parce que vous apercevez les diamants, il y a des trucs magnifiques dedans. Et ben on va tester le service après-vente de GBFKE. Je vais les contacter, je vais leur demander comment on fait. Parce qu'effectivement, c'est un partenariat. Mais si vous, vous commandez la lampe et que vous la recevez sans la licorne. Donc voilà. Donc normalement, on a un petit support qu'on diamante et qu'on pose là. Mais là, je n'ai pas le support. Donc ça se pose comme ça. Hein. Donc, je vais arrêter la vidéo comme ça. C'est un petit peu cafouillage. Hein, on l'arrête sur une mauvaise note. Je leur fais un mail de suite. Et puis, je vous tiendrai informé de comment ça se passe. Comment on fait. Comment on peut faire. Est-ce qu'ils vont me renvoyer une lampe. Est-ce qu'ils peuvent me renvoyer juste le plastique. Ou est-ce qu'ils vont rien me renvoyer du tout. Puisque, comme je le dis, c'était un partenariat. À savoir que cette lampe est vendue normalement sur le site 8,99 €. Donc comme je disais, hein, je ne vous dépale pas les petits diamants parce que je vois pas l'intérêt puisque je ne peux pas la faire. Alors on termine sur une mauvaise note, mais c'était quand même un joli colis. Je vous rappelle la licorne, la petite gorgeuse, donc les deux toiles en 30-40 en diamants spéciaux, les petits autocollants d'Animal Crossing et le sac cabas. Et je vous tiens au courant, du coup, à savoir pour cette petite lampe qui devait être juste canon. Du coup, voilà. On ne l'a pas. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !